Salut Alexandrine, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Je m'appelle Alexandrine, je tiens le blog Artlex, qui est un blog de mode et de do-it-yourself. J'y donne des bons conseils de customisation de vêtements, d'accessoires, voire même de la déco. Et j'y dévoile aussi mes looks du jour. On nous a dit, des mauvaises langues bien entendu, que ta fille avait plus de swag que toi. Est-ce vraiment vrai? Oui, malheureusement, c'est vraiment vrai. Pourquoi? Parce que moi, je travaille à la maison, donc c'est vrai que je me sursape pas tous les jours de la semaine. Par contre, la petite, elle va à la crèche tous les jours, elle. Donc, elle est tirée à quatre épingles. Donc oui, cette rumeur est vraiment vraie. Nous t'avons dévoilé en avant-première la collection mobile Le Coq Sportif. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, j'ai été agréablement surprise de découvrir la collection mobile Le Coq Sportif parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et pour moi, ces produits vont dans la suite logique de la collection. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on fait du sport, on a toujours notre téléphone à la main ou les écouteurs sur les oreilles. Et puis alors l'enceinte portative, elle est juste géniale parce qu'on peut l'emmener partout. Et moi, je me vois déjà sur les quais du Rhône en train de faire mes petits exercices avec du bon son à côté de moi, quoi. On ne peut s'empêcher de regarder tes baskets, tes Arthur H, une paire mythique. Ah ça, c'est sûr que c'est une paire mythique. Bah, Arthur H, c'est un grand bonhomme hein, qui a un palmarès impressionnant dans le domaine du tennis. Mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément lutté pour la cause noire et pour la lutte contre le sida. Donc c'est un grand sportif, certes, mais c'est aussi un homme au grand cœur. D'ailleurs, faut-il vraiment s'interdire les talons lorsqu'on dépasse le 1,75 m? Alors, s'interdire les talons, non, parce que dans la mode, on s'interdit rien. Après, ça dépend vraiment les limites des complexes de chacune. Il y a celle qui est grande et qui portera des talons en toutes circonstances et qui n'aura pas du tout de problème avec ça. Il y a celle qui est grande et qui mettra des talons que dans des circonstances particulières comme un mariage ou des soirées, etc. Puis il y a celle qui, en revanche, n'osera pas du tout porter de talons parce qu'elle se trouve beaucoup trop grande. Pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je préfère porter des baskets parce que c'est beaucoup plus agréable. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'aller à un mariage ou d'aller en soirée, je préfère terminer la silhouette avec une jolie paire de talons. Et là, du coup, j'ai pas de complexe à mettre des talons malgré ma grande taille. Tu es une pro du fais-le toi-même ou do it yourself? As-tu une petite astuce mode toute bête qu'on pourrait reproduire à la maison? Oh, je pense que je peux vous trouver ça. J'ai toujours une astuce dans le coin de ma tête qui traîne, donc je vais vous montrer. Du coup, je vais vous expliquer une petite technique toute simple pour pumper vos Arthur H ou des tennis blanches en général. Donc pour cela, il vous faut une paire de tennis blanches, une perforatrice et puis une feuille pailletée autocollante. Tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire des petits trous dans votre feuille. Donc du coup, vous obtenez plein de petites gommettes pailletées, comme ceci. Et l'idée, eh bien, ça va être de les coller sur votre tennis. Donc pour ça, on décolle l'opercule. Hop. Et on vient l'appliquer sur sa tennis. Et voilà le résultat, on a fait des petits pois sur sa tennis. On l'a pumpé. Pumpé l'op. C'est bientôt l'été, ça ressemble à quoi la plage pour toi? Alors pour moi, la plage, ça ressemble, comme beaucoup de gens, au sable fin, au cocotier, aux doigts de pied en éventail face à l'eau turquoise. En fait, ça ressemble un peu aux plages de Martinique, voilà où j'étais à Noël en fait. En ce qui concerne le style, il y a un style que j'aime bien porter à la plage, c'est de porter un maillot une pièce que j'accessoirise avec un kimono, un vieux short en jean Destroy et puis des Converse aux pieds. Et du coup, c'est hyper facile de passer de la plage à la ville sans avoir trop à se changer. Et pour les garçons? Bah pour les garçons, un peu pareil, je vois bien un short de plage un peu court, avec un t-shirt qui a un bon style, quoi, un chouette imprimé.
des sneakers aux pieds. Moi, je dis exit les tongs et les mules pour les garçons. Enfin, je déteste ça. En termes de blog homme, il y en a trois que je suis. Il y a Cup of Couple, Le Lion dans la Penderie, et puis un blog où c'est un couple, mais le mec, il a grave le swag. C'est le nom du blog, c'est J'aime tout de toi. Affaire à suivre. Presque dernière question. Ton actu pour les prochains mois. Alors, pour les prochains mois, j'ai un atelier do it yourself en préparation pour le compte d'une grande enseigne. Des tournages vidéo qui sont également en préparation et... Ouais, mais je vais pas tout vous dire, donc chut, quoi. Merci Alexandrine. Un dernier mot. C'est plutôt rare que les Parisiens descendent jusqu'à ma province éloignée. En général, c'est plutôt moi qui monte à Paris. Donc pour ça, je voulais vous remercier et puis j'espère que vous avez été bien accueillis chez moi. Et puis alors l'enceinte portative, elle est juste géniale parce qu'on peut l'emmener partout. Et moi, je me vois déjà sur les quais du Rhône en train de faire mes petits exercices avec du bon son à côté de moi, quoi.